Mélenchon. Ah, salut les abonnés, nouvelle sortie de détection. Et donc là, donc j'étais dans ce champ, hein, dans la vidéo qui va sortir, qui est déjà sortie en fin de compte, hein, qui est déjà sortie aujourd'hui ou hier, puisqu'à mon avis elle sera publiée demain, c'est-à-dire jeudi, donc mercredi. Donc là j'avais fait ce champ lundi. J'avais été là-bas. Et donc là, en espérant que mon collègue ne m'en veuille pas trop. Donc là, je vais faire ce champ-là. Hein. Comme j'ai aussi l'autorisation à faire ce champ. Ici et là-bas. Voilà. Et donc, pour pas déroger le rituel. Voilà. Le petit thé vert, hein, comme d'habitude. Maintenant, c'est un thé blanc. Pas thé vert, excusez-moi. Thé blanc. Voilà. Donc écoutez, il fait un peu frisqué hein, ce matin, mais bon, il fera déjà meilleur qu'hier, ça c'est sûr. Puis on verra ce que ce champ va donner. Hein. Et puis si vraiment il n'y a rien, je retournerai dans ce champ là-bas, hein, où j'ai fait quand même quelques petites trouvailles sympas. Voilà. Allez, je vais terminer mon thé, ou commencer mon thé, et puis j'allume à la première trouvaille. Allez, tchuss. Allez, première cible pour moi, c'est un bouton. Hein. Donc là, j'ai commencé. La voiture est juste là. Voilà. Donc là, j'ai fait une merdouille ici. J'ai rebouché mon trou. C'était une... C'était ça. Que je n'ai pas filmé, hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Voilà. Une merdouille... mérovingienne ou carolingienne. Hein. Voilà. Petit clin d'œil à toi, Baume Morane. Hein. Si tu vois cette vidéo. Hein. Voilà. C'est carolingien ou mérovingien, tu me diras exactement. Je sais plus. Hein. Je crois que c'est carolingien. Voilà. Et donc là, j'ai un bouton. Allez, trêve de plaisanterie. Ici, j'ai un bouton. Un tout petit bouton. Voilà. Hop là. Tout petit bouton. Ok. Allez. On rallume la prochaine trouvaille. Hein. Voilà, rien d'exceptionnel, hein, ce petit bouton. Hein. Allez, tchuss. On voit la nouvelle cible pour moi, après quoi, 2 minutes. Hein. Et là, j'ai même pas eu besoin de creuser, j'ai juste donné un petit coup de pied dedans, parce qu'il est à la surface. C'est cet objet, là. C'est ça. Aucune idée. Boucle de ceinture, je pense. Ouais, je suppose. Hein. On croirait une coquille Saint-Jacques, mais c'est pas une coquille Saint-Jacques. Ou peut-être que si. Je sais pas. Si vous avez une idée, hein, laissez-moi un com. Allez. Prochaine trouvaille, tchuss. Voilà, nouvelle cible pour moi. Ça fait bien. Allez. Une petite heure facilement que je tourne. Hein. Sans rien d'exceptionnel. Hein. Quelques cartouches, beaucoup de déchets. C'est tout hein. Voilà bon après je désespère pas et là j'ai une nouvelle cible et regardez c'est ça c'est un gros morceau de plomb voilà bon, il doit bien faire 1 kg hein, facile voilà. Allez je rallume à la prochaine trouvaille tchuss voilà nouvelle cible pour moi et j'ai même pas besoin de creuser c'est là je sais pas si vous voyez. Voilà, ici. Voilà. Un petit dé à coudre. Hop là. Un dé, ouais, je crois que c'est un dé à coudre. Voilà. Bon, celui-là, il est capote. Il y a quelques petites décors là. On verra ça au nettoyage, mais bon. Je pense qu'il va finir dans la boîte à merdouille. Puis après, avant, j'avais fait un morceau de plomb que je n'ai pas filmé. Et quelques déchets encore. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Voilà, nouvelle cible pour moi. Après, de quoi 2 minutes. Hein. Je crois l'objet, il était là. Hein. Le dé à coudre, l'objet. La bague. Et là, j'ai une nouvelle cible. Et je crois que c'est une bague. Regardez.
regarder ça de suite. Je crois que c'est une bague. Non, même pas, c'est même pas une bague. Non. Non, non, même pas. Rien d'exceptionnel, je me suis fait avoir. Voilà. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Voilà, nouvelle cible pour moi, 2 minutes après l'objet, hein, du moins l'objet, l'espèce de fausse bague que je croyais que c'était une bague. Et là, c'est un couteau, un reste de couteau. Enfin, un reste, c'est un couteau. Voilà. Il n'y a plus le bois autour, mais c'est un couteau. Voilà. Allez, tchuss, prochaine trouvaille. Oh, enfin, première monnaie après, ouais, après 2 heures de détection. Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose hein, dans ce champ. Regardez, et c'est là. Hop là. Et on va voir ce qu'on a de suite. Hein. Je crois que c'est format d'apô, ça. On va frauder. Et on va voir. Hein. Ah non, même pas. Attendez. C'est un bouton, c'est une monnaie, c'est quoi ça? Aucune idée. On dirait un format 5 centimes napo. Ouais, je crois que c'est ça, un format 5 centimes napo. Hein. Mais bon, rincer. Hein. Rincer, tirer, rincer. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Allez, nouvelle cible pour moi. J'avais fait juste un bouton dans ce trou, à côté. Hein. Dans ce trou-là, ouais, pareil, ouais, un bouton que je n'ai pas filmé. Qui est juste. Alors. Est-ce que je vais pouvoir mettre la main dessus? Ouais, voilà, ouais. Voilà ce bouton que je n'ai pas filmé, il n'y avait pas d'intérêt. Et puis là, j'ai refait, alors c'est bizarre, cette pièce là, cet objet, c'est le deuxième que je fais. L'autre était dans le champ là-bas, hein. C'était dans la dernière sortie, hein, que j'avais faite, la dernière. Une des sorties que j'avais fait. Hein, voilà. Non, je sais pas ce que c'est cet objet. J'en sais. Allez. Prochaine trouvaille, je rallume. Tchuss. Voilà, nouvelle cible pour moi. Enfin, c'est une monnaie. Et regardez, j'ai même pas besoin de creuser. Elle est. Oh, j'ai plus les yeux en face des trous. Attendez. Où elle est? Je viens juste de voir une tranche. Ah, écoutez, j'en ai aucune purée. Ah, c'est fou ça. Ah, si, regardez. Ah, je sais pas si vous voyez. Je dois pas filmer correctement. Voilà. Et on va voir ce que c'est. Hop. Ah. Napo, 5 centimes napo, ok. Jeune. Super. Bon, celle-là, elle est en bon état, hein, par contre. Bon, on verra en nettoyage. Hein. On verra en nettoyage. Voilà. Allez, prochaine trouvaille. Tchuss. Bon, voilà, nouvelle monnaie pour moi. Après la napo qui était dans le fond là-bas. Donc, j'étais au bout du champ. J'ai attaqué ma deuxième rangée. Et là, j'ai une monnaie, j'ai donné un coup de pied dedans. Juste en balayant, elle est là. Regardez. Hop. Voilà. Et je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. Ouais, je pense à un. Et demi-sol, un sol à l'écu, là. Louis XIII. Hein. Comme d'habitude, un hein, HCFA. Et. Quand on les sort, ben les 3/4 du temps elles sont savoureux. Voilà. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Allez, nouvelle cible pour moi. Ouais, je viens de là-bas. J'en suis à ma 3e rangée. Et là, regardez, un boulet de canon. Sacré morceau. Ouais, un gros boulet de canon. Voilà. Et puis avant, j'avais fait un. Oh, je sais plus quoi comme cible. C'était un reste d'outils agricoles. Allez, prochaine trouvaille. Tchuss. Ah voilà, nouvelle trouvaille pour moi. Ça fait bien une demi-heure. Hein.
après le boulet de canon. Et là, j'ai un petit bouton avec des petits restes brillants. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Oups là. Il est tombé. Voilà. Avec des tout petits restes brillants. Allez, je reviens à ma prochaine trouvaille. Bon, voilà. Une nouvelle et dernière cible. Elle se trouve ici. Oh, voilà, c'est un anneau. Rien d'exceptionnel. C'est un anneau. Voilà. Et donc, en fin de compte, ce matin, j'ai pas fait attention. J'avais détecté dans le champ d'un propriétaire. Qui était là-bas, le champ, et en même temps celui-ci, et en fin de compte je croyais que c'était le sien, et en fin de compte c'était pas le sien, donc voilà. Donc il m'a donné l'autorisation pour ce champ là cet agriculteur, et puis pour d'autres champs encore, donc ce qui fait que j'ai encore d'autres autorisations. Voilà, donc c'est cool. Il m'avait dit de continuer là sur le champ. Je vais rentrer à la maison et puis je vais manger, hein, tout ça, parce que ça fait déjà 3 bonnes heures de détection, donc je pense que ça suffit. Voilà. Donc là, je vais aller de nouveau à la voiture, faire le bilan des trouvailles, et puis voilà. Allez, tchuss. Bon, voilà, le bilan des trouvailles. Donc pour commencer, quelques petites trouvailles sympas. Voilà, donc là j'avais un objet, je sais pas ce que c'est. C'était un des premiers objets que j'avais filmé. Après, on avait le couteau. Après, ça, c'était, je sais pas, c'était un bouton, ou je sais pas, en tout cas, je l'ai pas filmé. On a un deuxième bouton. Ça, c'était le dernier anneau. Ça, je pense que ça reste que de tuyauterie, je sais pas. Une lame d'harmonica. Ça aussi, pareil, je l'ai pas filmé. Je pense que ça reste de briquet. Voilà. Le dé à coudre. Et puis là c'est les balles de mousquet et puis les éclats de plomb. Là et là. Après là on avait de monnaie rincée. On n'a plus rien dessus à mon avis, hein, ça c'est sûr. Après là c'est pareil. Par contre c'est pas une nappe. Mais en tout cas elle est lisse de chez lisse. Après j'avais la 5 centimes nappe. Voilà, je n'ai pas regardé la date, 1855 ou 56. 1855. Un bouton. Donc pareil, hein, sans grande importance. Et puis ça c'était un des derniers boutons, voilà. Avec un petit peu de dorure encore dessus. Voilà. Après les trouvailles que j'avais pas filmées, du moins certaines que je n'ai pas filmées, ouais, à part le boulet de canon et l'objet en plomb, et puis ça j'avais filmé, ouais. Les douilles. Ça je sais pas, un clou, j'en sais rien. Là c'est pareil. Et un fer à bœuf. Voilà. Pour notre cher collègue de détection Trestabernay. Voilà. Le roi des fers à bœuf. Des fers à meux. Et non des fers à bœuf. C'est des fers à meux. Voilà. Et puis ça aussi. Voilà. Un marteau. C'est bizarre. Ouais. Aucune idée. Un marteau. Et puis cette grande barre de fer. Voilà. Voilà, voilà. Et puis là, toutes les merdouilles encore. Hein. Pas mal, hein, on peut les filmer. Hein. Voilà. Ça en fait pas mal. Ça en fait pas mal. Donc après, qui ne tente rien, n'a rien. Hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé ce proverbe. Hein. Après, il faut persévérer. Hein. Certes, j'ai eu quelques petites monnaies. Voilà. Mais au moins, ça fait plaisir. On sort. On sort et puis voilà. Hein. Si on fait rien en 3 heures, c'est pas grave. L'essentiel c'est d'être bien, voilà, et de persévérer dans ce qu'on fait. Ne jamais baisser les bras, voilà, et de surmonter les défis. Voilà. Bon alors sur ce petit thé blanc parfumé, je vous dis, je vous dis normalement. Je vous dis à aujourd'hui, puisque la vidéo sera postée aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous allez la regarder, je serai en train de faire une nouvelle sortie, normalement, si tout va bien.
parce qu'il m'a toujours pas contacté avec Tres Tabernae. Et Tefal 67 ne sera pas présent à la sortie. Voilà. Donc sur ce, les abonnés, les non-abonnés, ceux qui regardent ma vidéo, bah, je vous dis à plus, hein, tout simplement. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, tchuss!